Comment ça va les Béjax? Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va ravir tous les fans d'animé et de doublage. Vous commencez à connaître ma passion pour le doublage. Je le répète, le doublage, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est entre autres poser sa voix sur un personnage, que ça soit un film, une série, un animé ou un dessin animé. Sauf qu'aujourd'hui ce sera sur des animés. Et je dis bien des animés et pas un seul. Aujourd'hui il va y avoir du My Hero Academia, de l'Attaque des Titans, du Jujutsu Kaisen, bref, plein d'animés, vous inquiétez pas. Mais cette fois-ci vous allez voir défiler la bande rythmo. En gros dans le doublage, la bande rythmo c'est le texte que tu dois dire et que ton personnage dit. Je remercie d'avance Monsieur Paul et Théo Myodub, dont les bandes rythmo que je vais prendre sont pour la plupart faites par eux. Leur lien de chaîne est dans la description pour ceux qui veulent faire du doublage et s'entraîner. Je vous explique le concept en détail. On va faire à chaque fois deux prises. On va en faire une où je dis exactement le texte qui est marqué et j'essaye de le faire le plus sérieux possible. On va en faire une deuxième où je vais pas du tout dire ce qui est écrit mais je vais juste improviser en disant de la merde. N'hésitez pas à me proposer dans les commentaires des animés que vous aimeriez que je double. Et aussi quel personnage, parce que si vous me donnez Mikasa par exemple dans SNK, je suis pas sûr de pouvoir faire savoir. Et je rappelle que le doublage n'est pas une imitation. Donc non, je ne vais pas imiter la voix des personnages. Je vais faire une voix que je pense qui peut correspondre au personnage en question. Mais je ne vais pas imiter sa voix française. Bref, je vais arrêter de parler et on va commencer tout de suite les doublages d'animés. Let's go! C'est chaud bouillant, putain! Allez, pour se mettre directement dans le bain, j'ai trop envie de commencer avec Bakugo versus Shoto dans My Hero Academia. Ouh, ça va être physique, ça! Petit disclaimer avant, normalement, quand tu fais du doublage, t'es debout. Malheureusement, moi, j'ai pas un grand écran devant moi, donc je suis obligé de le faire assis. Allez, bouge-toi! Arrête de te payer ma tronche, espèce de molasson! Je vais te tuer! Je veux devenir le numéro 1 avec une victoire incontestable! Si tu te bats pas mieux que ça, ça ne marchera pas! Tu dois m'en envoyer plus qu'un déco! Si tu n'as pas envie de gagner, dégage de là tout de suite! Tu n'as rien à faire sur ce ring, alors pars-toi! Allez, courage! Tu dois gagner! Midoriya! Encore ce crétin! Ah, enfin! C'est ce que je voulais! Si t'as accepté de m'affronter, c'est que tu dois être prêt à tout pour gagner! Quel qu'en soit le prix! Oh, Witzer! Impact! Oh, ça m'a donné chaud de fou! Oh, j'ai trop chaud! N'oubliez pas de vous hydrater après avoir fait Bakugo. Je répète, ce n'est pas une imitation. Maintenant qu'on l'a fait en sérieux, on va dire totalement de la merde. Qu'est-ce que t'as dit? T'as dit que tu disais pas en chocolat et pas chocolatine? On dit toujours chocolatine dans le sud, pourquoi tu dis putain de pain au chocolat? Je vais te tuer, tu comprends ce que je te dis? Moi je viens du sud, putain! Les parigots, j'en ai marre! Tout le monde dit pain au chocolat! Je t'ai dit qu'on disait putain de chocolatine! Je vais le buter! Tu vois? Je vais te montrer ce que c'est! La puissance du pain au chocolatine! Alors, je suis désolé, c'était beaucoup trop drôle. Putain, il faut que je le refasse, il faut que je le refasse, mais en mode bien, il faut que je le refasse. Putain, je suis en sueur. Qu'est-ce que t'as dit? T'as dit que tu disais chocolatine et pas pain au chocolat? Tu te fous de ma gueule? Je vais te prouver qu'on dit pain au chocolat et pas putain de chocolatine! On s'en fout des gens du sud, on dit pain au chocolat! Une chocolatine, c'est de la grosse merde! Ça existe même pas, donc maintenant viens me battre! Je vais te prouver qu'on dit pas au chocolat, espèce de sudiste de merde! Allez, courage! Tu dois gagner! Midoriya! Je suis sûr qu'il dit petit pain, lui! Je vais te montrer! Pain au chocolat versus chocolatine! Je vais te montrer toute la puissance du pain au chocolat! Pain au chocolat! Je suis en train de me traiter de génie. C'est incroyable. J'ai fait une version pain au chocolat et une version chocolatine. Comme ça tout le monde sera content. Oh, je me suis explosé la voix sur Bakugo. Je vous propose qu'on passe tout de suite à un autre animé avec Jujutsu Kaisen. Je vais évidemment faire Itadori. Qu'est-ce que t'essayes de me faire comprendre, Junpei? Je piche vraiment que dalle à tout ce que tu racontes. Tu peux me sortir les théories que tu veux, ça m'importe peu. Te soucie pas trop des familiers. Faut attaquer directement l'invocateur. Des grands discours sonnent creux! Tu me sors toutes tes salades uniquement pour te donner bonne conscience! J'ai aucune idée de ce qui t'arrive. J'imagine que t'as tes raisons. N'empêche, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Tu crois à ces idées au point de foutre toute ta vie en l'air?
T'oserais lui dire une chose pareille dans les yeux? Tu veux pas me dire que tu penses que ta mère a pas de cœur? L'animation de Jujutsu Kaisen, voilà. Il est temps maintenant d'improviser et dire de la merde. Putain! Sérieusement, Junpei, tu préfères Naruto? On avait pourtant dit qu'on préférait One Piece! One Piece surpasse largement Naruto dans tous les domaines! Te soucie pas trop des familiers. Faut attaquer directement l'invocateur. Je vais devoir te péter la gueule! One Piece est largement mieux écrit que Naruto et Boruto! Tu sais ce qui t'attend? Imagine si tu disais ça à ta famille! T'y crois? Ils diraient quoi à ton avis? Comment tu pourrais les regarder dans les yeux et leur dire ça? Dire que tu préfères Naruto à One Piece? Mais t'as pas honte, putain de merde! Oh, je suis mort! C'est trop bien, c'est beaucoup trop bien. Vous préférez One Piece ou Naruto? Oui, je suis en sueur. Troisième animé, on passe sur Yesterday. C'est un petit peu un truc lover, amour et tout, mais moi, j'avoue que c'est pas le type d'animé qui me branche de base. Mais à faire et à doubler, c'est très bien. Première prise, version sérieuse. Je t'ai dit que c'était dur à expliquer. De toute façon, je suis pas fait pour réfléchir à l'amour et aux sentiments. Mais moi, je suis heureux quand une fille fait preuve de gentillesse avec moi. J'aurais pensé que c'était ça qui me rendrait le plus heureux. Je pensais que c'était ça qu'on appelait l'amour. Et puis un jour, une fille difficile à cerner et embêtante a fini par débarquer dans ma vie. J'ai pas pu m'empêcher de penser qu'elle. Qu'elle est. J'ai pas pu m'empêcher de la trouver adorable. Et que j'ai eu beaucoup de chance. Et c'est pour ça que je suis venu ici. En gros, jusque-là mes sentiments. Enfin, je me suis trompé. Et c'est peut-être encore le cas. Ce que je veux te dire, c'est que je t'aime énormément. Hey, le bus, il arrive. On t'en demande beaucoup là. Comme si j'y arriverais. Un peu d'amour, un peu de douceur et c'est beau, c'est beau. Non, je déconne, en vrai, je me délecte de vos larmes. Bien salé comme je les aime. Maintenant, on va le faire de façon humoristique. Je voulais te dire que malgré ma dégaine de clochard, j'ai énormément d'argent. Du coup, voilà, je te le dis. Parce que j'ai envie que tu me pépons le chibre comme ça. Ça va? T'as envie de me pépons au final ou pas, michetonneuse? Je veux juste savoir ça parce que moi, les putes, j'en ai ras-le-bol. J'ai envie de trouver une vraie gonzesse, bordel. Une vraie michto! Est-ce que tu seras assez michto pour sortir avec moi? Je sais que je suis dégueulasse, mais bon, j'ai beaucoup d'argent. Alors dis-moi. S'il te plaît, dis-moi oui. Ça fait des années. Des années que je cherche une mistonneuse de ce nom. Mais que j'arrive pas à trouver. Mais toi, t'as l'air d'être la bonne. Putain, elle est pas mal quand même. J'ai joué en te regardant, je te le jure. Je suis vraiment désolé de ça. J'avais pas envie de te dire. Est-ce que tu veux bien baiser avec moi, s'il te plaît? Contre 5000 euros. J'ai gâché toute la scène. C'est horrible. Oh, c'est horrible, je suis désolé. On passe tout de suite sur un doublage de l'attaque des titans, dit SNK, avec Eren Yeager. C'est pas vrai. Si je ne peux pas me transformer maintenant, mon pouvoir ne sert à rien. Ah,
pas changé, pauvre crétin. Tu ne peux toujours rien faire quand on a besoin de toi. Tu es un incapable. Tu vois, maman, rien n'a changé depuis ta mort. Je suis toujours aussi impuissant que je l'étais le jour où t'es parti. Pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai fait ça en une seule prise. Séquence émotion incroyable. C'est le moment de le faire en version humoristique. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Non, fais pas ça. S'il te plaît, fais pas ça. Il me doit de la thune. Non, il me doit de l'argent. Non, il me devait de l'argent. Il me devait 500 balles. Putain, pourquoi tu l'as tué, bordel de merde? Comment je vais faire maintenant pour rembourser mes dettes? J'avais tout misé sur lui. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi il l'a tué? Je m'en foutais de lui. Moi, je voulais juste sa thune. T'aurais pu le bouffer après. T'aurais pu le tuer après. Mais non, tu l'as fait, maintenant. Et maintenant, je me retrouve à la rue comme un putain de clochard et un clodo de merde. Oh putain, incroyable, je kiffe faire ça, putain de merde. Je pense qu'on en a terminé avec ces doublages. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez préféré le doublage de Bakugo de My Hero Academia, de Eren de SNK, de Itadori de Jujutsu Kaisen, ou alors de Yesterday, je sais plus exactement c'est quoi le nom du personnage. Mais dites-moi ce que vous avez préféré. Et si vous avez kiffé, n'hésitez pas à me proposer des animés et d'autres personnages à doubler pour un épisode 2. Il y aura aussi des doublages sur des dessins animés, des films, des séries, vous inquiétez pas, il y aura plein de choses sur le doublage. De toute façon, je me suis éclaté à faire cette vidéo, autant en termes de bonheur et en termes de voix, parce que je me suis explosé la voix sur Bakugo, on le sait très bien. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à mettre la cloche de notification si vous kiffez les doublages. Partagez la vidéo à tous vos potes qui kiffent le doublage, qui peuvent se marrer sur la vidéo, et surtout à ceux qui kiffent les animés. Sur ce, moi je vais vous dire à la prochaine dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas que mon dessin animé est toujours sorti, l'épisode 1 est dans la description. Allez le voir, c'est incroyable. Et si vous voulez donner sur le Tipeee, aussi faites-le parce qu'on a besoin d'argent. Bref, sur ce, portez-vous bien. C'était Jesse pour vous servir. Ciao. Quand je t'envoie un message, j'ai le cœur qui palpite. Je suis pas Nicky Larson, je pense pas qu'avec ma bite. Même si j'y arrive pas, je suis déter comme des coups. Même si c'est un combat, t'inquiète, j'encaisse les coups. La première fois que je t'ai vu, un coup de fil m'a frappé. Je remercie encore Iner de m'avoir bien aidé. Entre nous, le courant passe bien, y'a de l'électricité. Je te jure que je te mens pas, Kirou un peu attesté.